c'est une très grande satisfaction quand j'ai vu mon nom dans la liste, dans la présélection déjà. C'est vrai que c'était une chose très importante et pour moi. Donc c'est un rêve de gamin qui se réalise. Donc c'est vrai que je réalise pas trop encore, mais là il faudra se mettre très rapidement dans le bain, Inch'Allah. National, c'est vraiment une grande fierté de pouvoir porter ce maillot. C'est vrai que c'est très important pour moi, ça me tient à cœur. Comme je vous ai dit, depuis gamin, je rêve de ça. J'en parle très souvent avec des anciens coéquipiers ou des anciens internationaux. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment une très grande satisfaction, une très grande fierté de pouvoir porter ce maillot, Inch'Allah. Donc moi, je suis arrivé le premier, donc hier. Donc c'est vrai que l'intégration s'est très bien faite. Les premiers joueurs m'ont très bien accueilli. Donc c'est vrai qu'ils me connaissaient déjà un peu. Moi, j'en connaissais aussi certains. Après là, il y a quelques autres joueurs qui sont arrivés, qui ont aussi joué dans le championnat français comme moi. Donc je parle notamment de Houssine Farja ou Mounir Oubadi. Donc je les connaissais déjà. Donc c'est vrai que ça a facilité mon intégration. Donc pour l'instant, tout se passe très bien, alhamdoulilah, et j'espère que ça va continuer. C'est vrai que c'est une certaine responsabilité. Donc c'est le premier match des qualifications pour la CAN et ma première sélection. Donc c'est vrai que c'est un peu de pression, mais pression positive. Donc comme je l'ai dit, il y a une grande responsabilité donc par rapport aussi au public marocain, qui est un public très exigeant et très connaisseur du football. Donc j'espère qu'on va tout faire pour les rendre heureux. C'est ça exactement. Donc moi, comme je vous ai dit, je joue à domicile ici, donc je suis encore plus content d'avoir été sélectionné et de pouvoir jouer ma première sélection ici à Agadir. Donc déjà pour ma famille, ils ont toujours cru en moi, donc c'est vrai que je suis très content et je leur passe un grand bonjour, Inch'Allah, et tous les habitants d'Agadir et tout le peuple marocain.